Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mardi 23. J'espère que vous allez bien. Installez-vous, mettez-vous à l'aise. On va voir quelles sont les énergies pour cette journée. Merci à toutes les personnes qui sont voilà, fidèles au rendez-vous du matin. Ça me fait très plaisir de vous retrouver. Et puis à vous qui passez par là, si vous êtes nouveau ou nouvelle, soyez le ou la bienvenue sur la chaîne. C'est toujours un plaisir d'accueillir des nouvelles personnes et qui ont envie évidemment de découvrir le type de guidance que je propose. Donc on y va sans plus attendre. Alors les amis, quels sont les messages pour cette journée avec le tarot arthurien? Je vais vous montrer la boîte. Pour celles et ceux qui n'ont pas vu, c'est le tarot de Claire Duval qui est très très beau. Et donc, on va continuer avec celui-ci parce que voilà, ça me parle bien en ce moment. J'essaie de récupérer mes horaires classiques. Vous savez que normalement, les vidéos sont mises en ligne plus tôt dans la journée. Je résorbe un petit peu le retard et je pense que dès demain, ce sera OK. Vous aurez le café tarot à 5h30. Alors, quels sont les messages positifs, négatifs pour cette journée? Mardi 23 juillet. Alors en positif, nous avons la lune. Très très bien. J'aime beaucoup la voir en positif. Et en négatif, donc en défi, nous avons la roue de fortune. De nouveau, arcane majeur. Je pense qu'hier déjà, on a eu deux arcanes majeures pour les énergies, donc positives, négatives. Il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui demandent à bouger, à se débloquer, mais qui ne le sont pas encore. On a la lune qui revient ici dans la roue de fortune. Je pense que c'est à peu près, enfin c'est un des rares jeux où on voit apparaître le soleil et la lune comme ça dans un miroir. Très très beau. Et on a le défi aujourd'hui de parvenir à débloquer une situation. D'y croire, de ne pas rester bloqué peut-être dans ce qu'on appellerait un nœud karmique, parce que quand la roue de fortune est en défi, donc ça veut dire que peut-être vous avez une situation qui revient pour vous faire comprendre que c'est pas résolu, c'est peut-être pas OK en vous. On a encore des leçons à prendre, des choses à dévoiler, oui, avec la lune, ce que vous êtes occupé à faire d'ailleurs. Et donc, on a peut-être aussi une relation karmique qui, en soi, alors c'est pas le problème de la relation karmique. Je pense que de toute façon, beaucoup de relations de personnes qui sont de passage dans nos vies le sont pour une bonne raison, voilà, parce qu'il y a quelque chose justement à comprendre en nous-mêmes, à dépasser. Et après quoi, elles vont soit disparaître, ces relations-là, soit elles vont se transformer. Et vous allez rester ami avec cette personne, vous allez rester en couple si vous êtes en couple, ou bien, mais sous une autre forme. Voilà. Donc là, il y a quand même un challenge parce que vous avez peut-être la sensation que l'abondance ne fait pas partie de votre quotidien, que vous manquez peut-être aussi de moyens, que les choses sont très lentes. Alors, on a la lune cependant en positif. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est une excellente journée pour faire confiance à votre intuition, pour vous reconnecter à vous-même, peut-être pour développer, si vous avez voilà, un intérêt pour justement tout ce qui est énergétique, intuitif, peut-être même magnétique avec la Lune, c'est le moment de persévérer dans cette voie. De développer ce don, cet attrait que vous avez pour ce type d'activité. Alors là, c'est quand même assez incroyable. J'ai entendu, je ne sais pas si ça va parler à quelqu'un, j'espère. Je suis en train de vous dire, faites confiance à votre intuition, et au même moment, j'ai entendu, ne faites pas confiance aux profondeurs noires. Alors, bon, la carte étant positive, donc je ne sais pas pourquoi on vient me dire ça. Peut-être qu'il y a des personnes parmi vous qui... Il faut que je décode ce que j'entends, hein, donc c'est toujours un peu le défi pour moi aussi. Je pense qu'il y a des personnes parmi vous qui se laissent parfois emporter, malgré que les choses ont l'air d'aller bien, que vous avez des signes de la vie, peut-être
vous êtes justement en train de guérir peut-être d'un trouble anxieux, ou bien vous aviez des problèmes de sommeil et ça va mieux. Peut-être que vous avez des rêves qui sont en train de se réaliser, des choses qui remontent à la surface, mais pour justement être transformées en quelque chose de positif. Mais malgré ça, vous auriez peut-être tendance à écouter les profondeurs qui sont effectivement parfois un petit peu sombres. Parce que quand je vous dis les choses remontent à la surface pour être transformées, tout ne revient pas en même temps. Il y a forcément, à chaque cycle lunaire, il y a un bagage, il y a quelque chose qui peut revenir. Et heureusement que c'est pas tout à la fois, sinon on serait peut-être un petit peu submergé. Ne pas se laisser influencer par des messages qui sont en ligne directe avec de la tristesse, de l'anxiété, des peurs, des barrières, qui, elles, vont nourrir le blocage. Donc, au contraire, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. C'est la voie royale vers le féminin sacré. Donc, forcément, c'est peut-être un peu impressionnant, mais en même temps, c'est ce qui vous permet de vous sentir mieux. Peut-être un peu moins stressé ou moins anxieux, plus en phase avec « Ok, ce qui vient, c'est ok pour moi, je peux le gérer. » Que ce soit professionnellement, dans votre vie privée, ça peut être sentimental, familial, peu importe. Il y a des personnes parmi vous qui osent enfin franchir le pas, peut-être de vous mettre à votre compte pour être guérisseur, médium. Vous faites enfin confiance à votre médiumité, c'est possible. Et c'est très bien. C'est très bien, vous allez pouvoir aider d'autres personnes. Ne vous mettez pas en contact avec la petite partie qui au contraire est anxieuse et pense que ça va... Parce que cette noirceur de la lune qui remonte à la surface, il y a des révélations qui se font en vous-même et peut-être avec d'autres personnes, mais... Peut-être une autre personne vous révèle quelque chose, mais c'est pas une révélation au sens de la tour, c'est une révélation au sens de « je t'explique » ou « je m'explique à moi-même pourquoi ça a été compliqué et pourquoi les choses peuvent se transformer. Pourquoi ce qui était mauvais était en réalité un cadeau pour transformer en quelque chose de bon. » Bon, les amis, il y a beaucoup d'émotions, en tout cas de belles émotions. Peut-être que vous vivez près de la mer, ou près d'un peut-être un lac, une rivière. C'est le moment de se purifier. Alors, nous avons les nuages, le trèfle et le chien. Alors, c'est bien, on quitte la confusion. D'ailleurs, c'est pour ça que la lune est en positif. On quitte une situation un petit peu confuse, un peu problématique dans le sens de... les choses pouvaient être très claires, mais il y avait comme un voile, probablement le voile de l'anxiété, de la tristesse, qui vous empêchait, ou qui empêchait une personne de voir que, en fait, il y a une opportunité, de tout va bien. Alors, je dis pas que tout est beau, tout est rose tout le temps, mais on a ici une chance, ou une seconde chance de, d'une part, d'être fidèle à soi-même, de ne plus s'écarter de son propre chemin pour justement relever le défi de remettre de l'abondance, parce que plus vous vous écartez de votre chemin, plus les choses peuvent devenir difficiles, comme une montagne. À chaque fois que vous faites un pas vers quelqu'un ou quelque chose, mais en n'étant pas fidèle à vous-même, vous générez du karma négatif en fait par rapport à ce que vous avez à accomplir. Alors je ne vais pas rentrer dans des discours un peu perchés, mais je pense vraiment que aujourd'hui il s'agit de ça. Et on voit que vous débloquez petit à petit les choses, même si encore une part vous n'êtes pas tout seul, parce qu'il y a ici quelqu'un qui vous est très fidèle, avec qui alors soit qui vous aide à saisir une chance, quelle qu'elle soit, professionnelle ou une personne qui vous soutient, ça peut être votre partenaire, votre mari, un ami, une amie, peu importe. Ça peut être une seconde chance en amitié avec quelqu'un qui ne... Alors, je ne sais pas si vous vous êtes disputé ou s'il y a eu quelque chose, mais manifestement, il y avait de la confusion.
Et là, vous avez clairement une seconde chance d'avoir une relation plus saine, plus claire, où vous allez justement clarifier les choses, parce que vous allez écouter votre petite voix intérieure qui va vous permettre d'être aligné. Ça peut être une seconde chance tout court avec quelqu'un ou quelqu'un qui vous aime. Alors, on ne parle pas ici d'amour romantique. Pour moi, c'est plus un amour inconditionnel. Avec le chien, c'est celui qui, à la vie comme à la mort, on est là, je suis là pour toi, qui que tu sois, quoi que tu fasses. Et donc, cette personne, peut-être, vous demande une seconde chance. Parce qu'il y a eu un malentendu. Oui. Et pour d'autres, il y a une période un peu anxieuse qui se termine par rapport à un sujet précis, que ce soit personnel, un projet ou professionnel. Et on a clairement ici un ami, une amie ou quelqu'un qui vous aime vraiment profondément, qui vous aide à y voir plus clair, à traverser ce moment de tempête. Ça peut être l'inverse, hein. C'est peut-être vous qui aidez cette personne. Et du coup, de nouvelles opportunités fleurissent. Cette personne vous fait voir que oui, il y a d'autres opportunités, il y a de nouveau des chances qui peuvent se présenter dans votre vie, ou vous qui montrez ça à cette personne. Donc, je ne doute pas qu'en fait, la roue de fortune va de ce fait rapidement se remettre en positif. Ça a l'air d'être encore un peu... C'est comme si, entre ce matin et ce soir, les choses allaient s'éclaircir. Vous allez, ok, j'y vois plus clair, je vois vers où je peux aller, je vois qu'il y a une seconde chance qui m'est offerte. Par exemple, si vous avez perdu votre emploi ou si vous n'en trouvez pas actuellement, pour moi, il y a des situations qui se débloquent. Vous allez avoir des opportunités. Mais avec le trèfle, on nous parle d'éphémère. L'opportunité en elle-même de voir que vous pouvez résoudre cette situation ne va pas se représenter 150 fois. C'est là, c'est maintenant, il faut saisir votre chance. Au fil de la semaine ou du mois, vous allez voir que les choses deviennent vraiment totalement limpides. Ça met de la joie, évidemment. Alors, quel est votre message de sagesse, mes chers amis? Nous avons aujourd'hui la sirène de l'immersion, engagement total. Waouh! Avec des petits poissons autour qui sont très contents. ils font leur vie. Alors, immersion, la lune en positif. Donc, je pense que les amis, allez-y. C'est s'immerger dans votre fort intérieur, dans votre intuition, dans cette chance qui se présente. Parce que c'est un engagement total, non seulement de vous-même, vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de cette chance qui vous est offerte, vis-à-vis de ce nouveau travail, cette personne. Alors si c'est une personne, c'est une personne qui revient. Parce que le chien nous montre que vous la connaissez et qu'elle vous est fidèle. Vous lui êtes fidèle aussi, mais bon, manifestement, il y a encore des petites choses à éclaircir. Et donc, engagez-vous totalement dans ce projet. Allez-y, j'ai envie de dire corps et âme. Avec le 44, qui est donc un maître nombre irréductible, vous allez vraiment... On vous invite à suivre cette voie du cœur, cette voie de votre intuition pendant tout le cycle qui vient. Parce que vous ne serez pas déçu. Si vous êtes à deux sur un projet ou si c'est dans une relation sentimentale, sachez que l'autre, de l'autre côté, veut s'engager aussi. Et donc, ça va permettre de débloquer les choses. Hein. Ne restez pas dans les nuages, dans la confusion, dans « oui, mais je ne suis pas sûre que ». Allez-y. Allez-y parce que c'est gage de fidélité, de bonheur, de seconde chance, d'abondance qui peut revenir sur votre chemin. L'engagement, il est de part et d'autre. Mais vous devez d'abord vous engager vous-même. Si vous doutez, je pense pas, avec la lune en positif, je crois que vraiment ça va aller, les doutes vont s'apaiser, vous ne serez plus dans le stress et la confusion. Mais si vous y êtes encore un petit peu, chassez ça de votre esprit. Parce que les opportunités arrivent pour quelque chose de super positif, harmonieux et heureux. Voilà mes chers amis pour cette journée. Dites-moi un petit peu ce qu'il en est pour vous sous la vidéo.
Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous me contactez à soleillelevant@yahoo.com. Tout est indiqué sous la vidéo dans le menu déroulant. Vous pouvez également visiter mon site internet www.soleillelevant.com pour voir les types de prestations que je propose. D'ici à demain, je vous souhaite une excellente journée. Portez-vous bien et gros bisous. Bye bye.